Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, 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 chers frères et sœurs. Bonsoir à tous les Africains qui sont connectés sur ce direct. Bonsoir à tous ceux qui aiment l'Afrique. Bonsoir à tous les Européens, les Occidentaux qui aiment l'Afrique, parce qu'il y en a un qui aiment l'Afrique. Bonsoir à tous ceux qui sont de l'Afrique ou qui ont une racine en Afrique. Bonsoir à tous les Blancs, les, les jaunes, les rouges euh, qui ont épousé un Africain ou une africaine. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui ont un contact quelconque avec l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique du centre, que ce soit euh, n'importe, n'importe, n'importe quelle euh, région. N'importe quelle partie de l'Afrique, que Dieu vous bénisse. Je suis ici ce soir, excusez-moi, pendant que je vous parle, je fais mon partage. Je suis ici ce soir, c'est un direct qui n'avait pas été prévu. C'est un direct qui n'a pas été prévu. J'ai reçu un message très fort, très, très, très fort dans mon esprit. Et. Il m'a été recommandé par l'Esprit de Dieu de partager ce message à tous les Africains et surtout, surtout les Africains de la diaspora. Surtout les Africains de la diaspora. Que vraiment la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la bénédiction soit avec vous. Mon message va s'adresser aussi aux Africains qui sont en exil quelque part dans le monde entier, ou qui sont dans un pays quelconque qui n'est pas leur pays natal, mais qui sont dans ce pays en train de vivre des épreuves, en train de vivre des difficultés. Donc, mon message ce soir s'adresse à l'Afrique aux africains. Chers frères et sœurs, comme je ne veux pas rester longtemps sur ce direct, je vais aller droit au but et je vais vous demander de partager massivement ce direct, même après le direct, de le partager dans tous les groupes de la diaspora, de le partager dans tous 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 les groupes que vous pouvez partager. Partagez ce direct. Ce soir, pendant que je prenais ma douche avant d'aller à table, j'étais dans la douche. Je ne sais pas pour certains, mais Dieu me parle beaucoup de fois quand je suis sous la douche. Dieu me parle beaucoup de fois quand je suis sous la douche. Sous la douche de foi, j'ai des inspirations très fortes. Sous la douche de foi, j'ai des messages très forts. J'ai l'impression que. Deux fois, c'est un rendez-vous, même quand je vais prendre la douche, je ressors en général avec un message. Et lorsque je prenais la douche, avant d'aller à table avec euh, ma petite famille, l'Esprit de Dieu a commencé à me visiter et me parler. Je versais l'eau sur moi, l'eau coulait, pendant que j'étais là, j'entendais un message très fort que je pouvais garder pour moi, mais j'ai eu la recommandation de le partager. Oh, sois béni aussi, mon frère. Écoutez très bien, notez la date de ce direct, enregistrez ce direct et partagez-le. S'il vous plaît, partagez-le. Peut-être qu'un jour, je ne serai plus là, mais vous direz, vous direz qu'il y a Atia Nomal, le bishop messicidec, qui avait donné ce message. Peut-être qu'un jour, je ne serai plus sur cette terre. Hein? Peut-être qu'un jour, je ne serai plus sur cette terre. Mais vous allez partager, vous allez parler encore de ce message. Que Dieu vous bénisse. Chers, Afrique, chers Africains, chers frères et sœurs africains de la diaspora ou de l'Afrique, je ne suis pas venu parler de politique. Je suis venu parler de notre mère, notre mère à tous, notre continent, celle qui nous a vus naître, celle d'où nos ancêtres sont nés, celle d'où nos ancêtres sont nés, cette Afrique qui a été le berceau de l'humanité, cette Afrique qui a été. La première à rencontrer Dieu. Les gens ne vous disent pas. Mais Dieu a visité les Africains avant qui que ce soit. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, ça peut choquer certaines personnes. Adam et Ève étaient noirs. Marie. La main de Jésus n'avait pas la peau blanche. Jésus lui-même n'était pas blanc. Jésus était mat. Jésus n'était ni noir foncé et il n'était ni blanc. Mais Jésus, quand tu le vois, son image était l'image d'un Africain, d'un bronzé. Dieu aimer l'Afrique même le jardin d'Éden se trouve en réalité en Afrique mais hélas l'Afrique a connu la souffrance l'Afrique a connu des douleurs l'Afrique a connu des épreuves beaucoup de personnes beaucoup d'Africains ne savent pas que ils ont des ancêtres juifs ils ont des ancêtres égyptiens. Beaucoup d'africains ne savent pas qu'ils ont des ancêtres juifs. Que leur arrière 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 grand-père. Beaucoup de peuples africains, beaucoup d'africains ne savent pas que leur arrière grand-père était un juif. Quelqu'un qui faisait partie du peuple que Dieu a choisi. On nous a fait croire depuis très longtemps que nous sommes un peuple maudit. On nous a fait croire depuis fort longtemps que nous, les Africains, nous sommes nés pour souffrir. Nous sommes nés pour observer les autres réussir. On nous a pris pour la poubelle. On nous a pris. On nous considère comme des esclaves, comme des moins. Pour certaines personnes. Nous sommes même des animaux. Il y a des gens qui préfèrent le singe que nous. Il y a des gens qui préfèrent les chiens que nous. Il y a des gens qui préfèrent le chat qui a chez eux à la maison plus qu'un Africain. Pour certaines personnes, nous sentons mauvais. Pour certaines personnes, nous puons. Notre peau est noire, donc ça sent. L'Afrique a connu la douleur. L'Afrique a connu l'esclavage. L'Afrique a connu la colonisation. La plupart des pays occidentaux se sont enrichis avec les ressources de l'Afrique. Les pays occidentaux sont devenus grands, se sont enrichis avec l'uranium, le pétrole, l'or, tous les trésors de l'Afrique. L'Afrique a été dépouillée. L'Afrique a été dépouillée de ses belles femmes. L'Afrique a été dépouillée de ses braves hommes. L'Afrique a été dépouillée de ses personnes intelligentes. Beaucoup de choses. Ont été créés par des Africains, mais on les a arrachés. C'est un Africain qui est la première fois. C'est un Africain qui est la première fois. Quand vous voyez les feux multicolores, feux rouge, feux vert, feux jaune, c'est un Africain, on lui a arraché rach... le brevet. Certainement, le téléphone que tu as, ça, c'est un Africain qui a été le premier à réaliser, à créer cette communication. Chez nous en Afrique, nos parents se parlaient avec le tam-tam, parleur. De région en région, de pays en pays, nos parents se communiquaient. Au moment où le téléphone n'existait pas, au moment où la poste n'existait pas, les Africains, nos ancêtres, ont appris à, à parler avec la nature. Nos ancêtres ont appris à connaître le langage des arbres, des feuilles, de l'eau, de la terre. Nos ancêtres ont connu Dieu. Dans toutes les langues de l'Afrique, on parle de Dieu. Niamien, Niam, Lagor, et tout dans chaque langue de l'Afrique, Dieu est appelé d'une manière spéciale. Ce ne sont pas les Occidentaux, les Blancs, qui nous ont fait connaître Dieu. Nos ancêtres connaissaient Dieu. Dieu a apparu. À nos ancêtres. Dieu envoyait des anges leur montrer la valeur de certaines feuilles. Dieu envoyait des anges, des entités leur montrer l'importance de ceci et de cela. Regardez vous-même, tous les médicaments que vous prenez à la pharmacie sont des plantes et des feuilles qui viennent de l'Afrique, des racines, des écorces, des... Des feuilles qui viennent de l'Afrique. C'est l'Afrique que Dieu a choisi pour créer l'humanité. L'humanité n'a pas été créée en Europe. L'humanité a été créée en Afrique. Non seulement nous avons connu l'esclavage, toutes sortes de souffrances et d'humiliations. On nous a aussi imposé la religion. Jésus est réel. Mahomet est réel. Mais on nous a imposé la religion. Et la plupart d'entre nous, nous croyons que... C'est le christianisme qu'on nous a imposé qui nous amènera au ciel. Or, la Bible elle-même dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. La Bible n'a jamais dit, les vrais adorateurs sont ceux qui vont à l'église. Il y a des gens qui sont dans nos villages, dans nos campements, qui n'ont jamais mis pied dans une église que vous retrouverez au paradis, parce qu'ils ont connu Dieu, parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Aujourd'hui, tellement qu'on nous a lavé le cerveau, la plupart des Africains pensent que c'est l'Église, le christianisme, qui est la porte du paradis. Donc au ciel, il n'y aura pas de Chinois. Au ciel, il n'y aura pas d'Indiens. Au ciel, il n'y aura pas de. Je ne sais pas. Tous ceux qui sont dans les pays euh, arabiques, là, au Maroc, Algérie, toutes ces personnes-là, au ciel, ils n'ont pas leur place. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'église. Parce qu'ils ne sont pas allés voir un pasteur. Je ne prêche pas ce message. Je ne prêche pas ce message. C'est vrai qu'il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son fils unique. Mais la religion qui accompagne le nom de Jésus, qu'on nous a imposé en Afrique, n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. On pouvait nous parler de Jésus seulement sans nous imposer certaines choses. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont perdus. Ils ont perdu la trace de leurs ancêtres. Certains Africains dans leur famille, c'était des guerriers. Ils ont perdu cette trace, cet honneur. Certains dans leur famille, c'était des médecins, des guérisseurs. Ils ont perdu cet héritage. Ils ont perdu cet héritage. Dieu existe. Mais Dieu n'est ni chrétien. Dieu n'est ni musulman. Dieu n'est ni bouddhiste. Dieu n'est pas une religion. Dieu est esprit. Et Dieu se trouve dans chaque humain qu'il a créé. Car Dieu, c'est le souffle de vie qui se trouve en nous. Bref, je ne suis pas venu prêcher. Je retourne sur mon, ma terre, l'Afrique, et mon message que j'ai à livrer. L'Afrique, chers Africains, j'ai un message fort pour vous. Comme je le disais tout à l'heure, pendant que je prenais ma douche, Dieu m'a parlé. Il me dit le temps est arrivé. Parle à tes frères. Parle aux Africains. Parle aux Africains des nations de l'occident, du monde entier. Parle surtout à ceux qui sont dans la diaspora, qui sont à l'étranger, qui ne sont pas sur la terre, sur la terre de leurs ancêtres. Un temps nouveau arrive. Un temps nouveau arrive où Dieu lui-même a décidé de repositionner l'Afrique. Un temps nouveau arrive où la nouvelle génération qui est en train d'arriver va révéler la tête de nos ancêtres. Le temps pour que l'Afrique soit respectée, honorée au même rang que les autres est en train d'arriver. Il y a même des signes que vous ne voyez pas. Ce temps est en train d'arriver. Dieu a décidé de réveiller la mentalité africaine la psychologie africaine de donner le courage aux africains la volonté aux africains de sortir de toujours et de tout esclavage on parlera bientôt de l'Afrique et on respectera l'Afrique. Dieu lui-même se chargera de faire tomber tous ceux qui sont un obstacle parmi les autorités africaines, qui sont un obstacle et qui empêchent l'Afrique de se repositionner. Le problème, ce n'est pas le peuple africain. Le problème, ce sont certaines autorités africaines. Dieu fera un tri. Ceux qui sont pour que l'Afrique se positionne, qui sont dans la voie de Dieu, seront maintenus et élevés parmi toutes les autorités du monde africaine. Et ceux qui sont contre... Dieu les balayera, balayera d'une manière étonnante. J'ai un message pour les Africains qui sont en Occident, pour moi, pour toi, ceux qui sont en Europe. Si tu n'avais pas commencé à investir chez toi en Afrique, si tu n'avais pas acheté un bout de terrain, si tu n'avais pas un projet en Afrique, si tu n'as même pas cherché à construire un petit truc, réaliser quelque chose à partir d'aujourd'hui, de, de ce moment où tu écoutes mon direct, il faut que ça fasse partie de tes désirs, de tes volontés. Beaucoup d'Africains sont en train de courir pour dire je vais en Europe, je vais aux États-Unis, je vais en Occident. Oh! Mais la donne va changer. La donne va changer. Ou oh, quand tu parles d'un Africain qui est chez lui, quand tu parles d'un pays africain, il n'y a rien à envier en Europe. Dieu va élever des grands. Nous aurons des, des, la liberté que nos scientifiques, nos ingénieurs, nos personnes instruites nos artistes oh my god puissent maintenant être libre ce n'est pas parce que l'Afrique ne peut pas se développer mais c'est parce que l'Afrique a une chaîne l'Afrique a des menottes et Dieu va briser ces menottes bientôt ces menottes ont commencé à être brisées L'Afrique bientôt ne se soumettra pas, ne portera pas le jour de l'Occident, mais l'Occident traitera avec l'Afrique. L'Occident négociera avec l'Afrique. Le vrai sens du mot donnant, donnant va exister bientôt. Le vrai sens du mot, donnant, donnant, va exister bientôt. Oh my God, non, l'Afrique, il y a une page qui est en train de tourner. Je prie Dieu de nous donner longue vie à nous autres, de pouvoir voir ces moments, parce que ça sera glorieux. Je dis à cette génération qui est en train de venir. Vous serez considérés. Vous ne vivrez pas la souffrance de nos pères. Vous ne vivrez pas les épreuves de nos pères. Ah, il y a une notion sur moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il y a une personnalité spirituelle qui m'a appelé un jour. C'est une grande dame. Et cette femme m'a dit, Bishop, j'ai reçu une révélation sur toi. Je dis, dis-moi maman. Elle dit, Bishop, Dieu m'a montré que tu es né pour le servir. Heureusement que Dieu t'a pris. Enfin, si tu ne devenais pas chrétien du moins, tu aurais été un grand... Un grand dans le, dans le monde des ténèbres, un grand, peut-être un combien, un guérisseur, je ne sais pas quoi, mais dans le monde même des ténèbres, tu, parce que tu es né avec quelque chose que Dieu a déposé en toi. C'est ce qui se manifeste dans le christianisme. Mais si tu étais musulman, ça allait se manifester. Si tu étais païen avec tes ancêtres, ça allait se manifester. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il t'a donné quelque chose. Ce n'est pas comme tout le monde. Tu es né avec quelque chose. Et la personne m'a posé une question. Tu n'as pas dit qu'au feu Boïn t'a regardé quand tu étais enfant et puis il t'a salué. Il est resté calme, il a mis sa main sur son cœur ou son front et puis il est parti. Je dis oui. Il sait ce qu'il a vu. Et cette femme va me révéler des choses que je ne peux pas vous dire ici. Mais dans une révélation, elle me dit dans la révélation qu'elle a eue pour moi, elle a vu le bélier derrière moi. Elle me dit, Bishop, est-ce que chez Oufoué, bon, il n'y avait pas le bélier Tu crois que le bélier qui était chez Oufoué, là, c'était simplement comme ça Je dis non. Elle dit, ce que Oufoué a vu en toi, il a reconnu que tu avais quelque chose. Mais je ne vais pas donner des détails ici. Frère, je peux ne pas aller à l'église. Je peux ne pas appartenir à une religion. Les dons que Dieu m'a donnés sont à moi. Frère, je sais de quoi je parle. C'est brut. C'est brut. Et quand Dieu me parle et que je viens m'asseoir pour parler, ce n'est pas pour me faire voir. C'est pour dire ce que j'ai vu. Vous les Africains, moi-même là. Je suis en train de prier, je suis en train de me préparer, je suis en train de réaliser mes projets. Même la femme avec qui je suis. Je lui dis presque tous les jours. Je lui dis, hm, chérie, il y a une alerte dans ma tête. Je sens que je vais quitter l'Europe. Comment on va faire? Je vais te devancer. Après, tu vas me rejoindre ou bien on va aller ensemble ou bien bon comme pour le moment les enfants sont petits je prie encore je réfléchis je veux que Dieu me donne vraiment les détails mais je sens que Dieu est en train de me dire ta place ne sera plus ici ta place sera sur la terre de tes ancêtres car tu as beaucoup à accomplir j'en parle à ma femme pendant que certains sont en train de courir pour venir en Europe, moi-même, j'ai envie de fuir pour aller en Afrique. Parce que je sais ce qui se passe, je sais ce que je reçois. Si on pouvait vendre sa nationalité, si on pouvait, je ne sais pas quoi, j'allais même dire à quelqu'un qui est pressé pour venir en Europe, mon frère, tiens, 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 prends ça, viens t'asseoir ici. Et puis donne-moi l'argent, je vais aller m'asseoir là-bas. Et ça, je ne parle pas dans le vide. Quand je parle et je dis ancêtre, ça, dé, ça énerve, ça dérange certains chrétiens. Mais moi, je, je respecte mes ancêtres. Si tu respectes pas ceux qui t'ont mis au monde d'où tu viens, tu respectes les ancêtres des blancs, tu ne respectes pas tes ancêtres. Tu as respecté Abraham, tu as respecté David, tu as respecté Moïse. Si toi, tes ancêtres, tu ne peux pas les respecter, ça c'est ton problème. Moi, je ne renierai pas mes ancêtres. Je respecte mes ancêtres. Ce n'est pas parce que je vais à l'église d'un chrétien que je n'ai pas d'ancêtres. J'ai des arrières, 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 arrières-ancêtres. Et jusqu'à ce que j'aie mon père pour avoir ma mère. S'il n'avait pas été là, je ne serais pas là. Je ne peux pas renier mes ancêtres. Parce que les blancs sont venus me dire un jour, voilà un Dieu qu'on te donne, voilà sa manière de te j'accepte ce Dieu parce que j'ai vu les preuves, mais je ne réunis pas mes assiettes. En acceptant ce Dieu, je fais la part des choses. Ça, c'est ma fausse. Et mes ancêtres me reconnaissent. Parce que j'ai pris le temps de demander pardon à Dieu pour le mal que j'ai fait à mes ancêtres en les rejetant. J'ai cru que j'étais blanc. J'ai cru que je suis descendu du ciel. Il a fallu qu'un moment je me rende compte, que je me dise Mais au fait, qui as accouché ton père. Et le père de ton père, c'est qui Et le père du père de ton père Et l'autre, jusqu'à, 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 c'est qui Est-ce que tu sais quelle prière ils ont fait pour que ton père connaisse ta mère Pour que toi, tu sois né Est-ce que tu sais que... Je vous dire quelque chose aujourd'hui. Celui qui veut qu'il croie et qui ne croit pas, les morts ne sont pas morts. Je ne suis pas vos, 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 vos pasteurs qui sont Il y a des gens qui sont à l'église. Ils ont un lavage de cerveau. Elle est où la Bible Ils ont un lavage de cerveau. Ils pensent que Dieu c'est ça. Ils pensent que Dieu c'est ça. Quand tu parles avec eux, Paul a dit, Pierre a dit, Moïse a dit, mais Paul c'est un homme, Paul c'est un pécheur, Pierre c'est un pécheur, Jean c'est un pécheur, qui est Paul? Paul est qui? Paul est mort à la croix pour moi. Paul peut me sauver, Pierre peut me sauver, est-ce que Jean peut me sauver? Même Abraham ne peut pas me sauver. Même Moïse ne peut pas me sauver. Il n'y a que Dieu seul qui peut me sauver. Et la même Bible que je lis me dit Dieu est esprit et vérité. C'est pourquoi certaines personnes sont étonnées aujourd'hui de ce qui se passe dans l'Église, surtout en Afrique. On voit des choses qu'on n'a jamais vues. On voit des actions prophétiques. On voit des choses, on dit, ah, Jusqu'à même on est critiqué. Ah, les chrétiens africains là, les pasteurs africains, parce que l'Occident est étonné qu'on ne fait pas les choses goutte pour goutte comme eux, parce que l'Occident est étonné qu'on se réveille, qu'on découvre certaines choses qu'ils ne nous ont pas enseignées, des actions prophétiques, la connexion avec la terre, la connexion avec l'eau, la connexion avec la nature. Ils nous ont caché toutes ces choses. Ils nous ont dit, petit Jésus couché dans le, la cobeille et sa maman Marie qui ne vieillit jamais. Depuis je suis né. Depuis des siècles, des siècles, il est mort. Il est né, ressuscité, monté au ciel. Quand tu vois l'image de Marie, c'est une jeune fille de 23 ans, 25 ans, 22 ans. Elle est la même, elle ne peut pas vieillir. Je respecte Marie. Mais Marie n'est pas Dieu. C'est un être humain. De la manière que un prophète fait l'œuvre de Dieu, un pasteur fait l'œuvre de Dieu, Marie a fait l'œuvre de Dieu en enfantant Jésus-Christ de Nazareth. Mais Marie n'est pas Dieu. Elle était servante de Dieu. Elle a dit de sa propre bouche :« Je suis la servante du Seigneur. » Certaines personnes sont tellement leur cerveau est tellement lavé. Qui pensent même qu'ils sont blancs, pourtant leur peau est noire. Ils pensent que c'est leur arrière-arrière-grand-père qui a écrit la Bible. Ils pensent que la Bible, c'est sorti de l'Afrique. Mais cette Bible, là, c'est ce que tes colons, ceux qui ont rendu tes grands-pères esclaves, là, les colons, là, c'est eux qui ont fabriqué ça. Ils ont pris et ils sont venus nous donner. La seule chose qui est véridique, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Après tout le reste des détails, non, où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit dans... Il y a certaines personnes, dès que tu les parles, où c'est écrit dans la Bible? Dans leur Bible à eux, il n'est pas écrit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Dans leur Bible à eux, il est écrit que si tu n'es pas dans une église, tu ne vas pas au ciel. Je reviens, vraiment une histoire. à travers ce message je demande à toutes les autorités africaines j'ai un message pour eux à tous les chefs d'état les autorités les personnalités africaines dieu me charge de vous dire de commencer à penser à aimer et à adorer votre continent, votre pays, votre peuple, que l'Occident. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. À toutes les autorités, parce qu'il y a des autorités africaines qui n'aiment pas leur peuple, qui n'aiment pas leur Afrique, mais qui aiment l'Occident. Qui, aiment, qui sont attachés plus à l'Occident que à leur peuple. Je vais parler aux différents chefs d'État africains. S'il vous plaît, écoutez-moi, la main de Dieu est levée. S'il vous plaît, écoutez-moi, Dieu épargnera tous les chefs d'État africains, toutes les autorités africaines qui vont commencer à aimer. À aimer leur peuple, à faire du bien à leur peuple, à valoriser leur peuple, à ne pas accepter ce qui va venir tuer leur peuple, à ne pas accepter ce qui va venir dégrader leur peuple. Dieu va, Dieu va les protéger, Dieu va les garder. Mais tous ceux qui ont vendu leur conscience, qui livrent leur peuple, qui détruisent le peuple, qui laissent le peuple mourir, qui laissent le peuple s'écouler. Le temps est arrivé où si vous ne changez pas, ce sera la honte, ce sera la douleur. Vous allez payer. Vos parents vont payer votre famille, vos enfants que vous avez laissés vont payer. Toute la richesse, la gloire que vous avez eue ne servira à rien pour relever la honte qui viendra sur vous et sur votre descendance. Que tous les conseillers des chefs d'État du monde entier, du monde africain, m'écoutent et livrent ce message à leurs autorités. Dites-les. Quel que soit le nom qu'ils portent, dites-les de changer de mentalité. Dites-les de commencer à aimer la terre africaine. Dites-les de commencer à aimer le pays sur lequel Dieu les a établis. Dites-les de commencer à protéger vraiment le pays que Dieu les a donné, le peuple que Dieu les a donné, à régir le cœur du peuple que Dieu les a donné. Dites-les cela. Dites-les que je m'appelle Atia Normal. Dites-les que j'ai deux faces. Quand je viens parler en tant qu'Athéas normal, ce n'est plus, plus le bishop magistral qui parle. Dites-leur que le temps est arrivé où ça va s'enchaîner. Le temps est arrivé où Dieu va faire un nettoyage. L'Occident sera obligé de se plier. L'Occident sera obligé de se plier. De collaborer de considérer l'Afrique. Et ça, ça ne sera pas la force d'un homme. Ce n'est pas histoire de coup d'état. Les gens vont faire des coups d'état. Non. Il y a même des chefs d'état. Ça ne sera pas coup d'état. Ils vont simplement mourir. Et il y a même d'autres, même ça va arriver. Ce n'est pas affaire d'envoi les coups d'état. Non, 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 non. Ce n'est pas un homme qui va faire ce combat. C'est Dieu qui a commencé. Et Dieu... Va prendre soin, va relever, va protéger tous ceux qui aiment l'Afrique. Parce que le temps de l'Afrique est arrivé. Il est écrit même que mieux vaut la fin que le début. Il est écrit, il est écrit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Afrique. Le rêve de Kadhafi n'est pas mort. Afrique, je ne te parle pas en tant que moi-même. Je te parle en tant qu'une voix autorisée. Le rêve que Kadhafi a eu avant de mourir, le rêve de Kadhafi n'est pas mort. Kadhafi est mort, mais son rêve n'est pas mort. Afrique, Kadhafi est mort, mais son rêve n'est pas mort. Kadhafi a certainement vu ce que je suis en train de vous dire, comme s'il avait eu une prophétie, une révélation. Kadhafi a certainement vu, mais ce n'était certainement pas encore le moment. Le temps arrive où même des blancs, des autorités américaines, européenne, Dieu touchera le cœur de certains et ils se mettront du côté de l'Afrique. Ils combattront pour l'Afrique. Ils défendront l'Afrique. Et de leur propre bouche, ils diront, trop c'est trop, parce que Dieu parlera dans leur cœur. Afrique, pendant que je parle, j'ai une vision. Je vois une réunion de vieillards. Je vois des vieillards qui sont tous nus. Certains ont des pailles rouges, pailles blanches, et ils ont, des, ils ont comme des échappes sur le truc. Certains ont des chapeaux. Je vois des vieillards, ils sont nombreux, je ne peux pas compter le nombre, ils sont nombreux. Et l'esprit est en train de me dire Vos ancêtres se sont réveillés vos ancêtres se sont renus. Vos ancêtres ont décidé de renier leurs forces pour vous les communiquer. On va dire, mais quel pasteur qui parle d'ancêtre Il parle d'ancêtre. Moi, je crois à mes ancêtres. Moi, je ne suis pas dans vos blablabla. La Bible a dit, la Bible n'a pas dit, la Bible a dit, la Bible n'a pas dit, la Bible a dit. Mes parents qui n'ont pas connu les colons, ou bien mes parents qui n'ont pas accepté, qui ont accepté Dieu. Moi, je m'appelle Eker. Le nom Eker, c'était un grand croyant. Mon père ne s'appelle pas Eken, Mais il m'a donné le nom d'un grand croyant qui était son frère. Qui avait une foi énorme. C'est ce nom-là que je porte. Un chrétien qui dit, parce que sur si chrétien, les ancêtres n'existent plus, tu es une personne morte. Tu es une personne morte. Même les juifs respectent leurs ancêtres. Ils se promènent avec les eaux, ils voyagent avec les eaux de leurs ancêtres. Les juifs jugent sur les ancêtres. Les vêtements de leurs parents, leurs parents morts, leurs ancêtres, ils portent ça à certains jours pour faire des cérémonies. Même les juifs à qui Dieu a apparu n'ont pas rejeté leurs ancêtres. Ils disent Dieu de nos pères. Ils disent Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham. Et nous, nous avons copié. Parce que... On nous a enseigné cela dans la Bible. Mais qui était le Dieu de tes pères Qui était le Dieu de tes ancêtres Les juifs disent Dieu de nos pères. Ils connaissent d'où ils viennent. Mais toi, est-ce que tu sais d'où tu viens Ce que nous oublions, ce que lorsque nous allons mourir, nous avons, si dans l'au-delà, on ne sait pas comment ça se passe, si peut-être tes ancêtres ont un village, c'est une, une manière de parler, hein, je n'ai pas dit que c'est biblique, vous la quand on parle, vous modifiez tout. Peut-être que tes ancêtres ont un endroit, un truc, ils t'attendent et peu, Tu arrives, après ta mort, tu arrives, il dit, mais c'est qui on dit, oh, c'est quoi C'est qui quoi Oh, c'est le petit-fils de euh, le fils de l'autre là. Il est arrivé, il est mort, il est venu nous voir, il est dans son... Non, 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 on ne le reconnaît pas. Il nous a régnés. Il nous a abandonnés. Jamais même il a pensé à nous. Est-ce qu'il allait une fois même sur le tombeau de sa maman Est-ce qu'elle allait une fois même sur le tombeau de son papa Est-ce qu'un jour même elle a pensé qu'elle avait des parents, des ancêtres et tout ça elle a passé tout son temps à courir avec les ancêtres des autres, les parents. Moi, je, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Hein. Je ne sais pas ce qui va arriver. Hein. Mais je me dis si jamais c'était des histoires comme ça. Tu vas aller loger où Dans la maison d'un blanc. Ou tu vas aller dormir dans la cabane d'un de, de, américain. Dans, ou dans la villa ou dans la. De, non, mon frère. Non. Si Dieu a permis que le Père que tu as là, c'est lui qui soit ton Père, la mère que tu as, ce soit ta mère, et que eux, ils aient des parents, des ancêtres, tout ça, ça veut dire que dans les derniers jours, vous risquez d'être regroupé. Moi, je crois à ça. Parce que tu es sorti d'eux. Tu fais partie d'eux. Les Indiens croient à leurs ancêtres, les Chinois croient à leurs ancêtres, les Juifs pensent à leurs ancêtres, même les Blancs, les Français pensent à leurs ancêtres, les Américains pensent à leurs ancêtres, sauf l'Africain qui dit je vais à l'église. Ce n'est pas eux tous, ceux qui disent je vais à l'église. Il y a pour certains Africains, le fait d'aller à l'église, c'est rejeter ses origines. C'est rejeter sa peau. C'est rejeter ses racines. Parce qu'il va à l'église. Chers Africains, j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Quand le Seigneur m'a donné ce message, je suis devenu froid. J'ai commencé à compter mes jours. Je me suis dit mais j'ai 50 ans. Seigneur, Fasse que je vive longtemps pour voir cela. Fasse que je vive longtemps pour voir cela, Seigneur. Je sais que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants bénéficieront de ce moment. Mais Seigneur, fasse que je vive longtemps pour voir ça avant de quitter cette terre. C'est la prière que je fais à Dieu. Parce que le temps est arrivé. Regardez les signes. Vous ne voyez pas comment les Africains sont en ce moment. Est-ce qu'avant, un Africain aurait le courage de manifester même ici en France Est-ce qu'avant, un Africain aurait le courage de manifester Je ne sais pas, dans certains endroits. Est-ce qu'avant les Africains pouvaient se lever pour dire non, nous on veut ça, on veut ça En réalité, tous les peuples africains sentent quelque chose, en ont marre, ils sont réveillés. C'est à cause de certaines autorités qui les maintiennent avec des menottes et par la peur, par la crainte, ils sont là, ils regardent. Chers Africains, je ne vais pas m'attarder toute la nuit. Notre temps de bonheur arrive. J'ai envie de pleurer de joie. Notre temps de paix arrive. Il y a certains occidentaux qui se joindront à nous. Il y a certains occidentaux qui jureront qui, qui par l'Afrique, parce que vous ne savez pas, il y a des blancs qui ont des ancêtres africains, mais ils ne savent pas ça. Le sang qui coule dans leurs veines, c'est africain. Vous ne voyez pas même deux fois dans certaines vidéos, il y a des blancs quand ils commencent à danser, tu as l'impression que c'est un sang africain qui coule en lui. Il y a des peaux blanches, des européens qui se joindront à l'Afrique. Chers frères et sœurs, commençons à remercier le grand Dieu, celui qui a aimé notre continent. Soyons fiers d'être africains. Certains Africains avaient honte d'être africains. Pourtant, même quand nous sommes allés à l'école, on nous disait, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le fer, le pétrole, même l'écriture est venue de l'Afrique. Jésus lui-même est allé d'abord se former en Égypte, qui est l'Afrique. Avant de venir exercer son ministère, Dieu envoie son peuple en Égypte, qui a aussi l'Afrique, avant de les envoyer sur cette terre promise. L'Afrique est le commencement. C'est pourquoi on nous a arraché cette gloire, on nous a arraché cette autorité, on nous a arraché nos connaissances. Regardez les pyramides en Égypte. Regardez l'écriture. Regardez euh, euh, regardez euh, les Africains inventent. Aujourd'hui, il y a des Africains qui ont créé le remède du coronavirus. Il y a des Africains qui fabriquent des voitures, mais on n'en parle pas. Il y a des Africains qui fabriquent des téléphones. Écoutez, vous allez en Afrique aujourd'hui. Vous allez prendre un jeune homme qui n'a pas les moyens qu'il faut, mais il a un petit endroit tu vas lui donner un ordinateur qui est pourri, un ordinateur qui est gâté, on ne sait pas comment faire. Ici, les Blancs jettent ça dans la poubelle. On jette la télé, on jette l'ordinateur, on jette le téléphone. Tu vas lui donner, et il regarde, papa, 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 pa. il te donne ton téléphone, ton téléphone marche comme si c'est maintenant que tu viens de l'acheter. Et vous me dites que l'Africain est bête et Il y a des Africains qui ont créé des antennes paraboliques avec des casseroles en aluminium. Ils sont dans un village, mais ils regardent toutes les chaînes de Canal Plus, avec les chaînes du monde, avec seulement une assiette en aluminium. En réalité, l'Occident copie sur nous, mais nous ne savons pas. Parce qu'on nous a lavé le cerveau pour nous faire croire que nous sommes bêtes, pauvres, cons. Nous sommes pareils aux singes. Nous sommes pareils, pareils aux animaux. Entre nous et les animaux, il n'y a pas de différence. On nous a lavé le cerveau. Mais le temps de se réveiller est arrivé. Le temps de comprendre que tu as de la valeur. Le temps de comprendre que tu es important. Comprends que c'est une fierté pour toi d'avoir cette peau. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher sous le soleil pour bronzer. Le temps est arrivé que tu saches que c'est toi que Dieu a aimé le premier. Dieu habite dans l'Africain. Même si l'Africain n'a pas à manger, il loue Dieu, il remercie Dieu, il adore Dieu. Le blanc a tout ce qu'il veut, mais il se plaint toujours. Il a tout le confort qu'il veut, mais il se plaint. L'Africain n'a pas de l'eau à boire, il dit merci à Dieu. L'Africain n'a pas à manger, il va remercier Dieu. Il va ramasser de la poubelle pour manger, gloire à Dieu. On a vu un SDF, un, un homme sans-abri, africain, dans la rue en train de louer Dieu, de glorifier Dieu, de dire à Dieu merci. Putain, il de coucher dans la rue en Occident. L'Africain a une force. Si les Africains n'avaient pas été là, les Européens n'auraient pas remporté leur guerre. Si les Africains n'avaient pas été là, tout ce que vous voyez comme la Tour Eiffel, toutes ces grandes choses que vous voyez n'auraient même pas pu être construites. C'est la main des Africains. C'est la main, le cerveau des Africains qui a créé la plupart des choses que vous voyez en Occident. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas né pour souffrir. Africain, tu n'es pas maudit. Celui qui te fait croire que tu es le fils de Noé, que Noé a maudit, se trompe. Tu n'es pas maudit. Africain. Ton temps est arrivé. Voici le message que je vous apporte ce soir. Et j'insiste pour les personnalités des autorités africaines. Tous ceux qui sont des autorités africaines, mais qui combattent l'Afrique et qui combattent leur pays, qui combattent leur peuple. Dieu va vous juger, ça va vous surprendre, quel que soit vos chars, quel que soit votre rela, vos relations, quel que soit vos richesses, quel que soit vos plans, quel que soit vos stratégies. Hum, Pharaon avait plus que ça. Mais Dieu l'a ridiculisé. Mais tous les chefs d'État, les autorités africaines qui aiment leur continent, qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple, qui se concentre sur l'évolution de leur continent, de leur peuple, Dieu va vous élever. N'ayez pas peur. Il vous donnera la force. Il vous donnera la force. Chers frères et sœurs, avant de terminer ce direct, je vais vous raconter quelque chose. Pour les chrétiens, qui, quand on est en train de parler d'ancêtres, ils sont énervés. Pourquoi tu parles d'ancêtres La Bible dit de pas prier les morts. La Bible dit n'est pas Hé, hey, Marie est morte. Mais vous la priez dans vos églises. <laughs> Moïse est parti, mais vous répétez toujours son nom. Abraham. Mais toujours vous dites Abraham, notre père Abraham, notre grand-père Abraham. On est des petits-enfants d'Abraham spirituellement, mais ce n'est pas physiquement. Je vais vous révéler quelque chose. Je l'ai déjà dit ici une fois. Feu, mon père, est décédé en 1989. En 1989. Et lorsque mon père est décédé dans son village, j'étais en ville. Il a fallu que j'aille voir. Quand on m'a annoncé, d'ailleurs, je ne voulais pas aller au funérailles parce que je n'étais pas en accord avec mon père. Je vais diminuer. Je n'étais pas en accord avec mon père. Puisque mon père avait quitté ma mère, il avait refait sa vie, d'accord, mais il avait, il avait oublié ses enfants. Il, avait, il nous avait oubliés c'est moi-même qui ai cherché qui, où est mon père, il est où, je vais le connaître. Et je suis allé le connaître. Mais j'ai été choqué par ça. C'est la femme qui était avec lui jusqu'à ce qu'il m'avait foutu à la porte. Sans même transport, j'ai marché du village jusqu'en ville avec la copine que j'avais, qui est partie avec moi. J'ai dit à mon père, je ne te parlerai plus jusqu'à ta, à ta mort, c'est fini. Et je voulais respecter cette parole. Donc, quand il était malade, on m'a dit Ton père veut te voir, ton père veut te voir. Je dis Je ne bouge pas. Je ne savais pas qu'il allait mourir. Aujourd'hui, je le regrette. J'aurais dû aller écouter ce qu'il allait me dire. On me dit Ton père veut te voir. On envoyait des messages. Je dis Je ne bouge pas, je ne veux pas voir ce monsieur. Un jour, on envoie un message, on dit ton père est mort. Alors, je dis, je ne bouge pas. Ma mère me dit, non, c'est ton père. C'est ton père. Tu dois aller au funérail de ton père. Ce n'est pas normal. Alors, mon petit frère et moi, allez hop, on prend le départ pour aller dans le village de mon père. Au funérail. En route j'ai commençais à avoir un mot de tête. Un mot de tête que je n'avais pas au début. On était à une heure du village. Ma tête me faisait mal, comme si on était en train de fendre ma tête avec une hache. J'avais envie de vomir mon battement de queue. J'étais en train de mourir en fait. Jusqu'à le chauffeur de la voiture s'est arrêté. Je suis descendu pour essayer de vomir. Je n'arrivais pas à vomir, je n'étais pas bien. J'étais dans la voiture couchée comme ça. Quand on est arrivé au village, je suis rentré directement dans une chambre. Je me suis couché un peu. C'est ce jour-là que j'ai vu la mort de mes yeux. C'est ce jour-là que j'ai vu. J'ai vu comment les gens meurent. C'est ce jour-là que j'ai compris comment les gens meurent. J'étais couché. J'étais en train de mourir. Je sentais mon âme sortir de moi. Je ne pouvais pas bouger. Je crie à l'intérieur. Je crie. Aidez-moi, au secours, aidez-moi. Je suis en train de mourir. Mais ça ne sort pas à l'extérieur. Personne ne pouvait entendre. Les gens croyaient que je me reposais. Oh, j'étais en train de mourir. J'étais là, intérieurement, je me débattais, je me débattais. C'était un certain moment, par la grâce de Dieu qui m'a aimé, avant que je sois dans le ventre de ma mère, je crois bien qu'il a dû envoyer un de ses anges. Il a intervenu. Je ne sais pas qui m'a aidé. À un moment, j'ai pu, d'un coup comme ça, me lever. Je me suis levé d'un coup, je me suis assis sur le lit. Et puis j'étais là. Et je transpirais comme si on m'avait versé, je ne sais pas, un seau d'eau sur moi. Et j'avais plus de force. Je faisais un effort pour, pour aller au dehors. Je suis sorti. Je me suis mis devant la porte. Et j'étais là. Aidez-moi. Je suis en train de mourir. Aidez-moi. Je suis en train de mourir. Et donc, les vieux qui étaient là, au funérail là, ils se sont tous levés et ils sont venus vers moi. Et il y a un vieux qui m'a demandé, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ton père Voilà la question qu'il m'a posée. Je dis, ah papa, mon papa, voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a, voilà qu a fait. Je ne voulais plus le voir. Même là, je ne voulais pas venir. Et le vieux me dit, mon fils, ton père voulait te parler avant sa mort. Il disait, appelez mon fils. Allez-y, appelé mon fils, je vais lui parler. Et il me dit Ton nom, ton nom est resté dans la bouche de ton père avant qu'il rende l'âme. Et vous savez ce que le vieux va faire Le vieux dit Apportez-moi de l'eau. Écoutez-moi très bien. Je t'ai chrétien. J'avais commencé mon appel pour servir Dieu. J'étais déjà allé à l'école biblique. J'évangélisais. Je prêchais à l'église. Mais j'étais en train de mourir. Hein. J'ai prié intérieurement et tout. Il n'y avait pas de solution. Hein. Mais le vieux dont je vous parle était un païen. Il ne battait pas à l'église. C'était un païen. Et le vieux dit amenez-moi de l'eau. Le vieux prend l'eau. Et puis, verse-le à terre. Et puis, dis le nom de mon père. Il dit Mon père s'appelle Anna. Il s'appelait Anna. Il dit Anna, laisse l'enfant tranquille. Écoutez bien je ne peux jamais oublier. Il y a certaines choses que je ne peux pas oublier dans ma vie. Laisse l'enfant tranquille. Avec tout le mal que tu as fait à l'enfant, tu veux encore aller avec lui? Et il a versé l'eau à terre. Oh, chers frères, chers amis, je vous assure devant le Dieu que je, je sers, en un clin d'œil, en un instant, je ne sais pas comment ça s'est passé, la force est revenue. Tout le mal que j'avais a disparu. On ne dirait pas que c'était moi qui étais en train de mourir. J'ai commencé à danser, à chanter, à parler avec tout le monde. Je suis même allé prendre un tam-tam. Je me suis assis, à en train de chanter les louanges chrétiennes. Et puis les gens venaient danser autour de moi, comme si rien ne s'est passé. Après, j'ai réfléchi et j'ai dit Mais Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, je suis chrétien. Je vais à l'église. Je suis même serviteur de Dieu. J'ai commencé à te servir. Je, je crois en toi. Pourquoi je suis en train de mourir tu n'exhaustes pas mes prières. Et puis c'est un païen. Quelqu'un qui ne va pas à l'église. Qui vient faire ce qu'il a fait là. Et puis je suis vivant. J'ai compris que Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas païen. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est aucune religion. Il est Dieu. Dieu respecte les coutumes qu'il nous a données, les traditions qu'il nous a données et les lois spirituelles qu'il nous a communiquées. Et nos ancêtres avaient de secrets. Si ce vieux n'était pas là ce jour, s'il si n'avait pas versé l'eau à terre, s'il si n'avait pas fait ce qu'il a fait, je ne serais pas vivant aujourd'hui. Donc personne ne peut venir s'asseoir, s'arrêter devant moi pour me dire, non, ton histoire d'ancêtre, ah les morts sont morts, on laisse les païens dans les coins. J'ai vécu tellement de choses. Moi, j'ai déjà vu diable, génie. Le génie qui tue les gens. On l'appelle en baoulé, dans ma langue, on l'appelle Azamlanganga. Gangan. Le génie du feu. Il est géant comme ça. J'ai déjà vu ça de mes yeux. Il tue les gens et tout. Moi, il m'a vu, il m'a regardé comme ça. Jusqu'à il est parti. Le monde spirituel existe. Nos ancêtres avaient des connaissances. La nature parle. Il y a trop de choses qu'on nous a volées. On nous a volé notre force spirituelle. On nous a volé notre mentalité que nos ancêtres nous ont communiquée. On nous a fait un lavage de cerveau. Et aujourd'hui, nous croyons que c'est seulement deux petits mots écrits noirs dans une feuille blanche qui nous rapprochent de Dieu. Oh Dieu est Esprit. Quand tu respires. Tu communiques avec Dieu. Les bouddhistes ne prient pas comme toi, mais ils se mettent là, ils écoutent leur respiration, ils communiquent avec Dieu. Les Chinois font plus de choses que vous dans ce monde, mais ils sont là, ils méditent, ils écoutent leur respiration, ils font de grandes choses. Un sportif apprend à respirer. Un boxeur qui ne sait pas respirer, il est foutu. Un athlète qui ne sait pas respirer, il est foutu. Même quand quelqu'un est énervé, on lui dit respire. Quand une femme accouche, on dit respire, respire, souffre, respire. Dieu sait la respiration, Dieu sait le souffle, Dieu est esprit. Et la Bible dit Dieu a soufflé en nous et nous sommes devenus des êtres vivants parce qu'il a mis une partie de lui son souffle en nous. Quand tu vois quelqu'un. Qu'il soit pauvre, qu'il soit handicapé, qu'il soit aveugle, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, qu'il soit vert, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen. C'est une créature de Dieu. Et c'est une partie de Dieu. Et Dieu se trouve en lui. La Bible dit, il y a des gens qui disent, Seigneur, montre-toi à moi. Seigneur, je t'aimerai de tout mon cœur. Dieu dit, tu ne peux pas aimer ton frère. Qui est à côté de toi, je suis en lui, tu ne peux pas l'aimer, c'est moi que tu, que tu n'as jamais vu, que tu vas venir aimer. Chers Africains, je suis fier d'être Africain. Je vais vous faire une confidence. J'aime ma femme, elle est blanche. Elle me respecte. Elle m'aime. Elle me soutient. Elle ne me crée pas de problème. Je suis avec elle. Mais si c'était une autre genre de femme blanche, je vous le dis aujourd'hui devant Dieu et les hommes, qu'on dise pasteur, fais pas ceci, moi et je me serais séparé. Rapidement, je prends mes clics, mes claques. Je prie Dieu de me donner une femme qui a la peau comme moi, qui peut faire mon foutu, qui peut. Notre esprit, nos ancêtres sont unis, on est unis, on est ensemble et puis on avance. J'allais le faire. Mais j'appelle ma femme à parce que je vois en elle un esprit africain. Elle m'a dit un jour que son papa lui disait, quand il était encore enfant, par son comportement, que toi, quand tu vas grandir, tu risques de te marier avec un étranger, un africain ou quelqu'un de l'Afrique du Sud ou du Nord, de quelque part, parce qu'elle m'a dit ça un jour. Donc ça ne l'a pas étonné que ce soit un noir qui soit son homme. Mais si c'était une femme blanche qui est là, qui se croit supérieure à moi, qui pense que mon peuple n'est rien, qui pense que moi je suis rien, oh Et je suis tellement fier que c'est moi qui nourris ma famille, c'est moi qui prends ce moi, c'est pas femme qui s'occupe de moi. Écoutez-moi très bien, chers Africains. Notre temps de gloire est arrivé chaque jour quand tu pries dans tes prières bénis dieu pour l'Afrique pour ce qu'il commence et ce qu'il va faire je ne parle pas des coups d'état je ne parle pas des je suis pas je ne suis pas adepte de coups d'état tout ça parce que dans la politique il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre donc je ne suis pas adepte de coups d'état mon message n'a rien à voir avec le coup d'état, parce que ceci cela, parce que celui même qui a fait le coup d'état, on ne sait même pas ce que lui va faire de pire. Peut-être que lui-même, il est plus acheté même que celui qui vient d'enlever. Donc ça, ce n'est pas de ça que moi je parle. Je parle du réveil de l'Afrique. C'est pourquoi je profite de ce direct pour saluer Taguele, un frère que j'admire beaucoup que j'aime beaucoup. Il n'est pas chrétien, il n'est pas pasteur, mais j'aime son combat. Et ce frère-là, je suis trop fier de lui. Eguchi et Eguchi Benzin, Ce frère qui se bat pour l'Afrique, ce frère qui livre sa vie pour l'Afrique, ce frère, non, sincèrement, j'aime ce temps et Gouki et Je salue tous les panafricains. Je salue tout, 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 tous les panafricains. Tous ceux qui mettent leur vie en jeu, leur esprit, leur âme, leur temps, leur énergie pour l'Afrique dans le monde entier. Dieu... Va vous donner encore plus de force, plus d'énergie et plus de protection. Parce que le temps de l'Afrique est arrivé. Le temps de l'Afrique est arrivé. On ne peut pas dire pourquoi, mais Béanzé Goutti n'est pas chrétien, toi tu es là. Je salue ce frère. Je salue ce frère. Le jour que je le vois, je vais le prendre dans mes mains, je vais l'embrasser. C'est un espoir, c'est un exemple. Et tous ceux qui sont comme lui, tous ceux qui sont dans son équipe, je les salue. Ces gens de personnes sont les Pauls de l'Afrique, sont les Jean-Baptiste de l'Afrique, sont, sont, sont ceux, les étoiles que Dieu a créées pour ce continent. Que Dieu bénisse tous les chefs d'État africains qui respectent leur peuple, qui aiment leur peuple, qui soutiennent leur peuple, qui soutiennent leur continent, qui, qui se battent pour l'évolution du continent et de leur peuple. Que Dieu bénisse toute autorité africaine qui aime son continent. Je voudrais maintenant dire aussi, parce que j'ai failli terminer, j'ai failli oublier. À tous les réfugiés, à tous ceux qui sont en exil, à tous ceux qui sont dans certains pays, commencez à économiser. Si vous n'avez pas économisé, commencez à économiser. Si vous avez des personnes dans vos pays qui sont des personnes vraies, avec qui vous pouvez réaliser des choses, commencez à réaliser parce que le temps arrive où la porte va s'ouvrir grandement pour vous. Où votre temps d'être restabilisé, d'être repositionné arrive. Je dis aux exilés que je vois une vague d'exilés rentrer en Afrique. Je dis aux exilés et ceux qui souffrent en Algérie, au Maroc, dans certains pays, parce qu'ils ont fui le continent, leur pays, leur pays, pas le continent, mais leur pays. Je vous annonce que le temps arrive. Ou c'est votre pays qui sera béni, c'est votre terre qui sera le plus béni. Commencez à économiser, commencez à penser à comment vous allez investir, comment vous allez entreprendre pour ne pas être parmi les derniers. Mon message va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse nos ancêtres, que Dieu bénisse chaque Africain et tous ceux qui aiment l'Afrique. Et que la gloire soit à Dieu seul. Passez une très, 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 très bonne nuit. Merci vraiment d'avoir été là. Merci d'avoir assisté à ce direct. Merci pour cette considération. Partagez ce direct. Faites des montages. Mettez sur YouTube. Envoyez ça dans tous les groupes de, de, de comment on appelle, de panafricains. L'Afrique, le temps de l'Afrique est arrivé. Mettez ça dans votre cerveau. Le temps de l'Afrique est arrivé. Mon frère, si on veut te rapatrier là, il ne faut plus avoir peur. Laisse-les t'envoyer chez toi. Ma soeur, commence à économiser pour chercher à rentrer chez toi. Mon frère, commence à réaliser, entreprendre, parce que le temps arrive où tu en as, tu, ici là, mais ça ne te dira plus rien. Parce que ce qui va se passer chez toi sera plus grand que ce que tu vois ici. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.